Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Iia Kari qui va vous présenter cette vidéo. Comment faire un hôtel des athlètes. Alors, on va d'abord entrer dans un monde créé par Noé Momor. Et on va voir déjà à quoi va ressembler l'hôtel, qui s'appelle Hôtel des athlètes. Donc c'est en principe pour les TNT Olympiques. C'est la partie 1 de cette série parce que... Enfin, on peut appeler ça une partie parce que normalement... parce que là c'est le... C'est la première partie d'une série qui va... Sur le même point après c'est... Ça aura pas le même nom, je vous dirai à la fin. Alors on voit sur un magnifique lever de soleil. Alors donc des petits phares. Hein. Normalement c'est censé en être, mais bon. C'est un vieux pack de textures. Du coup il y a des choses qui n'existent pas. Seul truc dommage c'est les lampes Redstone. Avec mon frère, on est d'accord là-dessus. Le seul truc dommage avec ce truc, c'est en Redstone. Parce que sinon, sur ce point-là, on est d'accord. C'est que ça donne une apparence grise qui est plus jolie. Les lits, on trouve qui est plus jolie. Ils sont plus jolis et tout et tout. Alors donc, on apparaît dans un monde. Je vous donnerai les trucs après. Alors donc après notre petit jardin de détente, nous avons des endroits comme ça. C'est les dortoirs, on en fera peut-être plus avec des petits coins et tout et tout. Alors là c'est pareil, c'est symétrique de chaque côté chez lui. C'est tout un petit circuit et trucs pour... voilà. Alors on entre ici, donc magnifique vue sur le dehors. Et ici c'est la piscine collective, la piscine jacuzzi collective. Ici donc comme vous pouvez le voir, vestiaire femme. Avec les porte-manteaux inclus. Les douches femmes, et vous inquiétez pas, les hommes aussi, ils ont leur douche et leur vestiaire. Alors vestiaire homme, comme chez les femmes, jacuzzi, porte-manteau. Alors ici les douches hommes. Et donc, on va redescendre pour faire tous les calculs de base. Alors, sur les bases, j'ai déjà tout le calculé. Ça fait 15 x 24. Après, on rajoutera toutes les petites salles qui font ici 3 sur 3. Et ici, 6 sur 8. Et donc... voilà, comme c'est symétrique, ça aussi c'est 3 sur 3 et tout et tout. Et donc, on aura déjà pris tous les calculs pour le reste. Maintenant, on va... Le haut, c'est pareil, on aura juste à calculer les petites douches et tout, mais ça, je ferai directement sur le truc. Je prendrai les calculs pendant que vous ne serez pas là. Sinon, la vidéo va durer très longtemps. Alors, la prochaine vidéo... assortiment s'appellera non pas visite d'un hôtel d'athlète mais comment créer un hôtel d'athlète. Alors je vous rappelle que le but c'est de faire des TNT, un hôtel pour les TNT olympiques. Après vous pouvez changer, mais voilà. Alors, la prochaine fois, on va se retrouver pour la prochaine vidéo.
Et je vous préviens juste que les TNT, si vous avez l'idée d'en faire, c'est mieux à plusieurs. Alors, à la prochaine fois.